Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, j'avais prévu de faire un petit topo au tout début pour motiver un petit peu d'où venait l'algèbre de Lie du point de vue d'Heisenberg. Alors, je pense que je vais redire des choses qui ont déjà été expliquées hier, mais c'est pas grave. Donc, voilà, c'est pour des gens plus grands que moi, ça. Bah, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là. Hein, mais... donc, je vais commencer par un petit peu de, on va dire, motivation. Il descend. Ah, oui, d'accord, mais du coup, il faut que je l'attrape en haut. Bon. Ok, je vais baisser comme ça. Okay. Là, maintenant, il devient stable. Bon, d'accord, mais j'écris. Bon. Par contre, il y a un piège à brosse. Hein. Ah, et il y a une seule brosse, c'est ça? Eh ben, par terre. Donc, un peu de motivation qui vient de la physique. Vous allez vite vous apercevoir que je suis beaucoup plus mathématicien que physicien. Mais, donc, Heisenberg, c'était le père de la mécanique quantique. Et en mécanique classique, l'espace de phase, donc l'espace des positions possibles de notre état physique, donc l'espace de phase, par exemple, ça peut être une particule, est décrit par une variété qui va être en général différenciable, lisse, etc. Et typiquement, ça peut être l'ensemble des positions possibles pour la particule et vecteur vitesse. Donc, x, ça va être la position de la particule, si je cherche à modéliser l'état d'une particule. Et puis p, ça va être son vecteur vitesse. Donc, typiquement, ici, l'espace de phase, on l'appelait x, ce serait, alors la position de la particule, elle va être contrainte à une autre variété, disons m, ça va être l'ensemble des positions possibles, et le vecteur vitesse, ça va être un vecteur tangent à la variété m, et donc, finalement, l'espace de phase, ça va être quelque chose comme l'espace total du fibré tangent. Donc, c'est exactement l'ensemble des paires un point de M et un espace tangent à M. Voilà, et puis on a donc un état de la particule est totalement déterminé par, ici dans ce cas très simple, par sa position et sa vitesse. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on a de la géométrie. Il y a vraiment de la géométrie, il y a un espace, une vraie variété. Et à la différence de ça, en mécanique quantique, on dispose pas vraiment de la connaissance de la position et du vecteur vitesse ou de toutes les informations concernant notre particule, mais on dit plutôt que on a des observables et ces observables nous déterminent la probabilité que notre état vaille certaines valeurs. Donc, on va dire comme ça, on ne dispose que de probabilité. Donc, c'est pour qu'une particule soit dans un état donné, pour que le système soit dans un état donné. Donc, par exemple, on peut imaginer l'exemple qu'on donne toujours, c'est un nuage d'électrons autour d'un noyau. On a une densité de probabilité de présence d'électrons aux différents niveaux d'énergie autour du noyau. Et alors, comment on peut modéliser ça d'un point de vue mathématique? Maintenant, l'espace de phase
Ici, c'est un espace de Hilbert. Alors, c'est quelque chose de linéaire. Et effectivement, on peut imaginer qu'on peut additionner des probabilités en renormalisant comme il faut. Et donc, on peut superposer des états. Donc, c'est un espace de Hilbert. Et on a la notion de observable. Donc, un observable, c'est un endomorphisme de cet espace de Hilbert. Alors, on lui demande d'être unitaire, borné, etc. Donc, disons, sa nature, c'est un endomorphisme plutôt qu'une fonction. Ses valeurs possibles, les valeurs possibles de l'observable, c'est l'ensemble des valeurs propres. On peut les appeler les psi i, donc c'est les valeurs propres de cet observable. Je l'ai appelé A. Et maintenant, quand j'ai un état de mon espace, de mon système, c'est un vecteur de cet espace de Hilbert. Donc si V, c'est un état, et donc c'est un vecteur de H, eh bien, je peux le diagonaliser dans les espaces propres. Et donc, je peux écrire, alors, psi i, ouais, valeur propre, et puis on va mettre des vecteurs propres. On va noter comme ça, psi i. Et donc, on peut écrire V égale somme des ci. Psi i, c'est, bon, là, on suppose que le spectre est simple. Et ces CI, donc ces nombres complexes ici, ça représente, disons son module, ça représente la probabilité que A, on va dire, vaille psi i en V, que l'observable vaut psi i en V. Voilà, donc ça c'est un peu le formalisme. Et un exemple là-dedans, c'est donc les fameuses équations de Heisenberg. Donc c'est ce qui donne le principe d'indétermination, d'incertitude. De Heisenberg, il nous dit, bon, dans le modèle physique de la mécanique quantique, un modèle physique, tous les modèles, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, les observables positions et moments, vitesse, moment. Donc ça, ce sont deux observables fondamentaux. Et bien, ils vérifient, en tant qu'opérateur, en tant qu'endomorphisme de l'espace de Hilbert, ils vérifient la relation suivante. X chapeau, P chapeau, donc P chapeau, X chapeau égale, alors il y a une constante près, IH bar fois l'identité. Donc, en particulier, ils ne commutent pas. C'est-à-dire que d'abord, observer rho et ensuite observer X, P pardon, et ensuite X, ce n'est pas la même chose que d'abord observer X et ensuite observer P. Donc, c'est le fait qu'on ait des opérateurs plutôt que des fonctions qui nous permet d'avoir ce genre de relation. Donc, ça nous force à être dans des espaces de Hilbert, etc. Mais voilà. Alors, ça, je peux le réécrire, du point de vue mathématique, juste comme c'est le commutateur, voilà, c'est juste une définition. Le commutateur vaut C fois l'identité, avec ici C égale I H bar. Voilà, donc ça, c'est ce que le pauvre mathématicien que je suis retient de tout ça, c'est que j'ai deux opérateurs dans l'espace de Hilbert qui vérifient ce type de relation. Voilà. Alors, une question naturelle, donc ça, on va appeler ça étoile, et question naturelle, je vais devoir descendre le tableau. Hop. Ah, j'ai pas mangé mon petit déjeuner. Ouais, je vais utiliser la moitié du tableau, je pense.
Donc la question naturelle qu'on peut se poser, très générale, hein, c'est peut-on classifier les paires d'opérateurs, bon, appelons-les X et P. Donc c'est une paire d'opérateurs d'un espace de Hilbert qui vérifie cette relation de commutation. XP égale C fois l'identité avec C, un nombre complexe. Voilà, donc ça c'est la question très générale qu'on peut se poser. Alors la réponse n'est pas facile, mais bon, en tout cas, voilà, c'est une première question naturelle. Alors, le même genre de relation de commutation apparaît dans d'autres questions de physique qui sont reliées au modèle de boson et de fermion. C'est ça que je vais expliquer maintenant pour donner une motivation encore supplémentaire pour essayer de répondre à ce genre de questions. Alors, donc ce sont justement les constructions des espaces de Fock. Donc c'est une autre incarnation de ces relations. Autre incarnation physique de ces relations. Alors c'est plus directement des observables. Ici, c'était les relations de commutation vérifiées par des observables position et moment. Ça va être des relations de commutation vérifiées par des opérateurs qui changent l'état qui changent l'état de mon système et qui sont les opérateurs de création et d'annulation et de annihilation. Opérateurs de création annihilation. Donc ensuite, bien sûr, on peut se demander comment ils commuteraient eux avec des observables. Mais là, je vais juste m'intéresser à des opérateurs qui modifient l'état de mon système, pas forcément qui mesurent quelque chose. Alors, il y a deux systèmes que je veux considérer. Le premier, c'est un système quantique formé de particules qui sont des bosons et qui vérifient la chose suivante. Alors la première condition, c'est qu'ils ont des niveaux d'énergie positifs et qui sont quantifiés, on va les normaliser, 1, 2, 3, etc. Donc ils ont des niveaux d'énergie positif, 1, 2, 3, etc. Autrement dit, chacun de ces bosons se trouve à un niveau d'énergie. Et puis, deuxièmement, ils peuvent être à plusieurs au même niveau d'énergie. Même niveau d'énergie. Alors on peut modéliser ça avec juste un petit dessin. Donc finalement un état du système, alors c'est comme tout à l'heure, un état c'est un vecteur dans un espace de Hilbert, et donc ça va être une combinaison linéaire, on va dire, d'états fondamentaux. Donc un état du système est donc une superposition, une combinaison linéaire
d'état, on va dire. Que je vais décrire avec un petit dessin. Hein. Donc ici j'ai mon niveau d'énergie 1, ici j'ai mon niveau d'énergie 2, ici j'ai mon niveau d'énergie 3, etc. Et puis je mets un certain nombre de bosons au niveau 1. Par exemple j'en mets 2, au niveau 2 j'en mets pas, au niveau 3 j'en mets 5, etc. Donc ça, je vais modéliser ça par une collection d'entiers, N1, N2, N3, etc. avec Ni égale nombre de bosons au niveau I, et j'ai une condition que j'ai qu'un nombre fini de bosons. Donc ça me dit Ni égale à 0 pour I très grand. Voilà, donc finalement mon espace de Hilbert, je peux l'écrire comme ça, il a une base paramétrée par les huplets d'entiers comme ça, qui vérifient que Ni égale à 0 pour I très grand. Et je vais appeler ça Cn. Comme ça. Voilà, ici, N, c'est ma collection d'entiers N1, N2, etc. Voilà, donc ça, ce sont c'est mon système. D'accord ? C'est très naïf, hein ? Ça va être très très naïf. Tout ce que je vais faire va être très naïf. Et en particulier, on a le vecteur du vide, l'état vide. Il n'y a aucune particule, donc c'est 0. 0, c'est juste que des zéros. Voilà, ça c'est mon état vide. Et maintenant, je définis des opérations qui ajoutent et retranchent des particules de niveau d'énergie fixé. Donc c'est les opérateurs de création et d'annihilation. Alors, donc opérateur de création, je vais noter B moins I, il y a un signe qui traîne, peu importe. B moins I, c'est tout simple, on rajoute un boson de niveau I. Voilà, et puis les opérateurs d'annulation. Donc ici, I est positif. BI, bah c'est on enlève un boson de niveau I. Alors rien qu'avec ces règles très simples, très naïves, bah on va retrouver des relations de commutation un peu comme tout à l'heure. Donc je donne juste un exemple. B moins 1 de l'état N1, N2, ben ça va être quoi? Ça va être, je rajoute un boson de niveau 1, donc ça va être N1 plus 1, N2, etc. Et par contre, B1, N1, oups, N2, etc. Ça va plutôt être, ben j'enlève un de ces bosons, un des bosons en niveau 1, mais lequel? J'ai plein de possibilités, et donc ça me fait N1 N1 fois l'état dans lequel il y a un boson de moins en niveau 1. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple. Et on vérifie, dans ce système très naïf, on vérifie déjà qu'on a on a des relations. Les Ni, c'est toujours des entiers positifs? Ouais. Non, oui, les Ni, c'est des entiers positifs. Ouais. Est-ce qu'il se passe que N1 égale 0? Quand N1 égale à 0, alors ça fait 0. Je n'ai pas le droit d'enlever, voilà. Mais c'est vrai que j'ai peut-être oublié de le dire. Donc Ni, élément de N. Ouais. D'ailleurs, c'est
marrant parce que tout récemment, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne peut pas remplacer N1 par un nombre rationnel ou réel? Et donc je crois qu'on peut, mais en tout cas, bon, voilà. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'espace de Fock. Bosonique. Voilà, donc pour nous, on pense juste... oui, et puis j'ai oublié de dire, donc quelles sont les relations qui sont vérifiées ici. Donc on vérifie qu'on a BI, BJ égale 0, si I, plus, si I est différent de moins J. On peut vérifier ça. Et puis, si I égale moins J, ça vaut identité. Alors, faire attention, ça vaut, on va mettre I plus grand que 0, ici. Et donc, ça vaut l'identité si I égale moins J. Donc, finalement, on a encore des relations du même type. Et ici, il y a quand même une petite différence, c'est que j'ai une infinité d'opérateurs. Et donc, maintenant, ma question, ça va être, j'ai mon espace de Hilbert et j'ai une infinité d'opérateurs qui commutent tous entre eux ou presque. Qu'est-ce que ça donne à isomorphisme près? Comment je peux classifier tous ces opérateurs, tous ces huplés d'opérateurs? Donc c'est une question qui est plus difficile que juste classifier pour chaque couple B1, B-1, B2, B-2, parce que je vais les classifier, mais tous ensemble. D'accord. Quand je modifie mon espace, je vais modifier tous les opérateurs ensemble. Ok, donc ça c'était le modèle bosonique. Alors maintenant, il y a un modèle concurrent, qui est le modèle fermionique. Donc ça c'est un système quantique qui est formé de particules qu'on appelle maintenant les fermions. Et qui vérifie. Alors, d'abord, ils peuvent être de niveau d'énergie positif et négatif. Donc, ils ont un niveau d'énergie positif ou négatif, et il y a le principe d'exclusion qui dit que il y a au plus un fermion en chaque niveau. En chaque niveau d'énergie. Donc c'est quand même assez différent. Alors comment on modélise ça ? On va faire un petit dessin aussi. Alors, comment on modélise ça? On va faire pareil, un dessin, sauf que ici j'ai niveau 0, niveau moins 1, niveau moins 2, niveau 1, niveau 2, etc. Et j'ai le droit juste, en gros, d'entourer certains de ces niveaux. Je l'entoure si jamais j'ai un fermion qui est à ce niveau-là. Et sinon, non. Ou bien, pour que ce ne soit pas trop dégueulasse, le dessin, je vais mettre des petits carrés à certains endroits. Voilà. Et alors, comment j'écris ça? Je vais juste mettre la liste des niveaux d'énergie qui sont occupés. D'accord, mon état, comme d'habitude, comme tout à l'heure, pardon, mon système quantique, ça va être une superposition de tels états. Donc là, je décris les éléments de la base de mon espace vectoriel. Et un élément de cette base, c'est juste décrit par les niveaux d'énergie qui sont occupés. Donc je vais noter ça I1, comme ça, pour être différent tout à l'heure, I1, I2, I3, où I1 plus grand que I2 plus grand que I3, sont les niveaux d'énergie occupée. Alors en écrivant ça, je fais déjà
une hypothèse un peu sur le système, c'est que au bout d'un certain niveau d'énergie, suffisamment grand, il n'y a aucune particule. D'accord ? Donc, niveau vide, si I trop grand, d'accord. Voilà. Et puis, il y a quand même, dans le modèle, ça c'est un modèle qui a été inventé par Dirac, il me semble. Donc, il y a un problème, c'est qu'avec ça, on peut avoir des états de niveau d'énergie arbitrairement bas, arbitrairement négatif. Donc ça, ça ne lui plaisait pas, et donc il a dit, bon, le niveau vide, enfin l'état vide, pardon, l'état vide duquel on va partir pour construire tout le reste, c'est ce qu'on appelle la mère de Dirac, enfin, pas la maman, bref. Je ne sais pas si on dit mère de Dirac en français, mais on dit Dirac si, en anglais. Donc la mère de Dirac, c'est tous les niveaux d'énergie, négatives sont occupées. Donc ce qu'on va noter par un zéro encore, ça va être, au niveau vide, je ne sais pas si vous mettre un très haut, ça va être correspondant à 0, moins 1, moins 2, etc. Voilà, donc ça c'est ce qui est censé être présent partout dans son modèle. Quand je crois qu'il y a du vide, en fait, c'est juste que tous les niveaux d'énergie négatifs sont occupés par tous ces fermions qui sont à un niveau d'énergie donc négative. Et pour fabriquer un niveau d'énergie positive, bah, par exemple, je pourrais exciter un de ces fermions qui passe d'un niveau négatif à un niveau positif. Voilà, donc ça, c'est les opérateurs d'annulation et de création. Alors d'abord, je n'ai pas dit ce que c'était que l'espace vectoriel. Donc H, un espace vectoriel. H, maintenant, c'est la somme sur tous les... Ben, je vais noter I souligné comme ça. Donc, C fois... I1, I2, donc ça, ce sont mes suites, mais telles que, donc, ou I, ben, je demande que, finalement, au bout d'un certain moment, tous les niveaux négatifs soient occupés, et que je sois parti de ce niveau de vide ici, et que j'ai excité certains de ces fermions, pour qu'ils passent au niveau positif. Donc ça, on peut l'écrire de la forme suivante. I vérifie. Donc I, c'est I1, I2. Voilà. Vérifie IK égale à moins K pour K très grand. Donc finalement, ça, c'est ce qu'on a dans le vecteur vide pour tous les K. Et si j'ai excité un nombre fini de mes particules, bon, bah, au début, sa valeur, ça vaudra autre chose que ici, mais par contre, au bout d'un certain moment, ce sera toujours égal à moins k. Donc ça, c'est mon espace. Et puis les opérateurs BI, donc BI, c'est les opérateurs d'annulation, de création, pardon. Tout à l'heure. Et ben, j'excite un fermion en le faisant passer, en lui ajoutant I à son énergie. Voilà. Bon, il y a des signes. Bon, je reviendrai là-dessus cet après-midi, mais bon, il y a un signe, hein, plus ou moins. Plus ou moins. Et le BI, c'est plus ou moins désexcité, calmé, je ne sais pas si c'est dit, calme. Un fermion en lui abaissant. En abaissant, en incrémentant de I son énergie, c'est mieux d'écrire comme ça, en augmentant de I son énergie, en abaissant de I son énergie. Alors,
Pourquoi est-ce que... Ouais. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir à la fois i et moins i dans la suite des entiers, en fait. Si, c'est possible. C'est possible, ouais. Donc ça, c'est vrai que ça mérite explication, parce que c'est... Bon, il y a les signes, ils seront fixés cet après-midi. Mais juste peut-être à donner un exemple. Un exemple de qu'est-ce qui se passe. Pardon ? N'importe lequel. Non. Justement, c'est peut-être pas facile à comprendre tout au début, mais on excite un fermion et on le fait pour tous. Donc ça va être une combinaison linéaire où je commence par exciter le premier fermion. Bon, ça me donne un certain état. J'excite le deuxième, le troisième, etc. Mais à un moment donné, quand je serai dans ma zone où de toute façon ik ça vaut moins k, ben, j'aurai excité un fermion de i et je l'aurai placé en un niveau d'énergie où il n'a pas le droit d'être, parce que c'est déjà occupé ce niveau d'énergie. Et du coup, ça, c'est pas possible comme opération. Donc ça me fait finalement une somme finie. Et quand je désexcite mon fermion, c'est exactement pareil. Donc je vais juste faire l'exemple sur le vecteur vide. Alors on va commencer par un opérateur de création, b moins i appliqué au vecteur vide. Alors les signes, bon, au signe près, ben, je peux commencer par exciter 0, pardon. Et donc j'obtiens i moins 1 moins 2, etc. Donc il y a des signes. Hein. Ensuite, je peux exciter le fermion qui était au niveau moins 1. Donc lui, il passe au niveau i moins 1. Donc j'ai 0. Maintenant, j'ai un trou. À chaque fois que j'excite un fermion, bah, il vide son niveau d'énergie. Donc j'ai un trou dans ma suite. Donc ça, ça fait i moins 1, 0. Pardon ? 0, c'est 0. 0, lui, il reste là où il est. I moins 1. Ensuite, moins 1, il est passé en i moins 1. Donc j'ai un moins 2, moins 3, etc. D'accord ? J'ai juste fait passer mon niveau d'énergie moins 1 en niveau d'énergie i moins 1. Et puis, ben ensuite, ce sera i moins 2, puisque j'aurai excité le moins 2. 0 moins 1, j'aurai un trou en moins 2, etc. Et puis, ben, à un moment donné, le dernier qui apparaîtra, ce sera 1, 0, moins 1. Et puis ici, j'aurai 1 moins i et moins 1 moins i. C'est le dernier qui apparaîtra. Et par contre, si j'excite le fermion qui était en niveau moins i, il arrive en niveau 0 et c'est déjà occupé. Donc, ça se termine. Voilà. Et puis, par contre, si j'applique bi, donc ici, j'ai supposé que i était positif. Donc, si j'applique bi au vecteur vide, ben là, je vois que à chaque fois que je prends un de ces niveaux d'énergie, je le désexcite, le niveau d'énergie est déjà occupé, et donc ça fait 0. Voilà, donc c'est un peu logique, on peut rien annihiler à partir du vide. Les opérateurs d'annihilation, ils détruisent le vide. Voilà, donc on peut vérifier. D'ailleurs, on peut se demander maintenant qu'est-ce qui se passe si j'applique d'abord B-I et ensuite BI. Alors c'est fait dans les notes... proprement. Mais ici, on peut voir que ben maintenant, j'essaie d'appliquer BI à tout ça. Alors, si j'applique BI à n'importe lequel de ceux-là, je vais tomber sur quelque chose qui est déjà occupé. Et sauf si j'applique à celui-là. Donc, si je l'applique à celui-là, je retombe sur 0, moins 1, moins 2, l'état du vide. Si j'applique BI maintenant à ce vecteur, si j'applique à n'importe lequel de ceux-là, le niveau d'énergie est déjà occupé. Par contre, si j'applique à celui-là, je retrouve mon niveau, je tombe dans mon trou, moins 1, et donc ça me fait de nouveau une contribution à l'état vide, etc. Et donc finalement, j'obtiens i fois l'état vide. Donc on a les relations de commutation, on vérifie. Une relation de commutation, BI, BJ, égale, alors c'est 0 si I est différent de moins J, et c'est I fois l'identité
si i égale moins j. Voilà, donc on a retrouvé encore une fois les mêmes genres de relations de commutation. Alors ici, c'est pas les. Donc il y a des opérateurs où je vais tuer le vecteur au niveau i ou bien le rajouter. Et pour cela, c'est les anticommutateurs. Et ça, c'est les opérations où j'excite tous les fermions. Voilà. Donc ça, j'appelle ça l'espace de Fock. Fermionique. OK. Donc, peut-être juste une petite remarque. Je peux renormaliser ça. D'accord, je choisis la moitié, par exemple, les entiers positifs. Et je peux renormaliser. Donc, juste une remarque. On peut renormaliser. Bi va en Bi sur i pour i positif. Et on va retrouver les relations de commutation de tout à l'heure. D'accord, le fait qu'il y ait cette constante ici, ce n'est pas très grave. On peut renormaliser et on obtient la même chose que tout à l'heure. OK. Donc finalement, on est dans la situation suivante maintenant. À la vue de ces modèles, on a envie de se poser la question, est-ce qu'on peut classifier. Peut-on classifier tous les uplets de un espace de Hilbert avec ces opérateurs-là? Peut-on classifier les uplets BI pour i dans z, on peut rajouter le 0 si on veut, vérifiant deux ou trois, c'est pareil. Voilà, donc ça c'est le genre de question qu'on se pose naturellement quand on s'intéresse à la mécanique quantique. Et donc maintenant le plan de mon exposé, ça va être la chose suivante. Donc l'idée. Donc le point, c'est que c'est précisément à ce genre de questions qu'on essaye de répondre en faisant de la théorie des représentations. Donc la théorie des représentations, en particulier ici des algèbres de Lie. Et dans ce cas précis, c'est les algèbres de Lie de Heisenberg. Ou une certaine algèbre de Lie d'Heisenberg. Donc le plan de la fin de cet exposé et celui de cet après-midi, c'est... bon, ça, c'était la motivation. Ensuite, les deux, c'est développer un petit peu... de théorie, le langage de la théorie des représentations des algèbres de Lie. D'abord le langage des algèbres de Lie, et ensuite le langage de la théorie des représentations des algèbres de Lie. Et puis, ensuite c'est de dire qu'il y a un théorème principal dans la théorie des représentations des algèbres de Lie de Heisenberg. Théorème principal qui dit que il n'existe, à isomorphisme près, à isomorphisme, et même là je vais insister, à isomorphisme canonique près, qu'une seule représentation, donc une représentation, c'est rien d'autre qu'un espace vectoriel, muni d'opérateurs BI qui vérifient les relations de commutation que j'ai décrites. Donc il n'existe à isomorphisme canonique près qu'une seule représentation de l'algèbre de Heisenberg.
qu'une seule représentation de l'algèbre de Heisenberg, que je n'ai pas encore définie, mais je vais le faire dans ce qui me reste de temps ce matin. Donc, une seule représentation de l'algèbre de Heisenberg. Vérifiant des conditions quand même, sinon il y en a plein. Donc, c'est des conditions de irréducibilité. Je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure, peut-être ce matin plutôt. Et une condition un peu plus très importante, mais un petit peu moins naturelle peut-être, qui est d'être de plus haut poids. Donc, j'expliquerai ce que c'est, mais disons de plus haut poids, ça veut dire que on peut fabriquer tout l'espace vectoriel de la représentation à partir de un vecteur qui serait ici le vecteur vide, qui serait tué par la moitié des opérateurs de l'algèbre d'Heisenberg. Donc ça veut dire que je suis dans une situation où j'ai des opérateurs que j'appelle annulation, des opérateurs que j'appelle création, et je peux fabriquer toute ma représentation à partir d'un état qui est vide, en faisant que des opérateurs de création. Par contre, dès que je fais un opérateur d'annulation sur cet état de vide, eh ben, j'obtiens zéro. Voilà, donc c'est ce genre de représentation-là qui vont nous intéresser. De toute façon, on a bien vu que les bosons et les fermions étaient de ce type-là. Il y avait le vecteur vide, et à partir du vecteur vide, on arrivait à obtenir tous les états possibles. Voilà, donc le théorème principal, c'est vraiment qu'il n'existe qu'une seule représentation, et le corollaire, c'est, il existe un isomorphisme. Donc ici, c'est bien sûr préservant, sinon ça n'a pas de sens. Les opérateurs de création et d'annulation. D'annihilation. Entre les espaces de Fock bosoniques et fermioniques. Voilà, donc ces deux modèles qui sont a priori quand même assez différents, il y en a qui sont basés sur des bosons qui peuvent être à plusieurs dans le même niveau d'énergie. Si on décrit ça en termes mathématiques, c'est plutôt basé en comme un espace de polynômes où les fonctions ou les variables commutent toutes entre elles. Ça, c'est l'espace de Fock bosonique. Et par contre, le modèle fermionique, lui, il est quand même basé sur des choses assez différentes. Et d'un point de vue mathématique, ça reviendrait à prendre des espaces de polynômes en des variables, mais maintenant qui anticommutent. Donc, c'est plutôt des produits alternés et ici, plutôt des produits symétriques. Donc, d'un point de vue mathématique, a priori, c'est quand même des objets vraiment différents. Mais la théorie des représentations nous dit, vous avez dans les deux cas une action de ces opérateurs de création et d'annihilation qui vérifie ces relations de commutation. Vous avez une représentation simple, tout se fabrique à partir d'un vecteur. Et en plus, ce vecteur est tué par la moitié des opérateurs. Alors, la théorie générale vous dit, il n'y en a qu'une seule représentation comme ça. Et si on essaye d'écrire précisément l'isomorphisme entre l'espace de Fock fermionique et l'espace de Fock bosonique, on obtient des quantités intéressantes, des polynômes qu'on appelle les polynômes de Schur, qui sont importants du coup aussi en physique, si on veut relier ce modèle de fermion et ce modèle de boson. Voilà, ça c'est le plan de l'exposé. Alors il me reste 15 minutes pour faire un petit peu de théorie des algèbres de Lie. Qu'est-ce que c'est qu'une algèbre de Lie? Qu'est-ce que c'est qu'une représentation d'une algèbre de Lie? Et puis cet après-midi, j'énoncerai, peut-être donnerai des idées de la démonstration de ce théorème. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne me suis pas arrêté pour l'instant, juste pour respirer rapidement. OK. Alors, algèbre de Lie. Hop. Donc ça, je crois que Pierre en a déjà parlé un peu hier. Euh,
Algèbre de Lie et... représentation. Alors, l'idée, ça va être la suivante, c'est que j'ai mon groupe de Heisenberg. Donc, par exemple, Heis 3, par exemple. Bon, je dirai ce que c'est dans une minute, je rappellerai ce que c'est dans une minute. Par un procédé de... qu'on pourrait dire linéarisation, je vais avoir ce que j'appelle une algèbre de Lie. De Heisenberg. Et alors ce groupe, le groupe de Heisenberg, bon, le groupe de Heisenberg, il n'est pas trop, il n'y a pas trop de géométrie dedans, mais c'est quand même une variété. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. Et ça, c'est une approximation au premier ordre linéaire. Ça, c'est vraiment un espace vectoriel. D'accord ? Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, l'idée de des algèbres de Lie, c'est que si ce groupe de Heisenberg, maintenant, c'est un groupe de transformation d'un espace vectoriel, si à chaque élément du groupe d'Heisenberg, j'associe une transformation de l'espace vectoriel, donc c'est ça ce que j'appellerais une représentation du groupe, ben ça, c'est pas évident à construire parce qu'a priori, je suis censé associer à n'importe quel élément du groupe un automorphisme. Et peut-être que c'est plus facile de travailler dans le cadre linéaire, où ici, je peux prendre une base, et puis bah, je vais associer à chaque élément de ma base un endomorphisme. D'accord ? Donc en fait, c'est souvent plus facile, de mon point de vue, de construire des représentations d'algèbre de Lie que des représentations de groupe d'Heisenberg. C'est pour ça que... en plus d'apparaître naturellement en mécanique quantique, ça peut être intéressant. Ici, l'algèbre d'Heisenberg, ce serait Heis, avec un petit h, censé être gothique, 3. Alors, je pars de G, je vais faire la construction un peu en général, je pars de G, un groupe, et je vais supposer, pour simplifier, que il est inclus dans un groupe de matrices. GL, N, K, et ici je vais prendre K égale R ou C. Et donc ça, c'est une variété différenciable, inclus dans cette variété différenciable, hein, GL, N, K. Et je peux considérer l'espace tangent en l'identité AG. Donc, l'espace tangent à G en l'identité, et c'est ça que je note petit g gothique, et ça c'est l'algèbre de Lie. C'est ce que j'appelle l'algèbre de Lie de G. Donc ici, je vais me restreindre au cas où G c'est un groupe continu, c'est pas un groupe fini, sinon c'est pas intéressant. D'accord ? Donc SLN, ça peut être GLN en entier, ça peut être SLN, ça peut être SON, ça peut être un SP, SPN. Et voilà. La question que je me pose maintenant, c'est quelle structure il y a ? Ça, c'est juste un pauvre espace vectoriel. Quelle structure je peux munir cette algèbre de Lie ? Quelle structure G possède-t-elle ? Bah, évidemment, on a envie de prendre les structures du groupe et de voir ce que ça donne, en quoi ça se restreint au niveau de l'algèbre de Lie. Alors la première idée, c'est on a la multiplication du groupe dans lui-même. Le groupe croît lui-même dans lui-même. Et donc, je peux prendre la différentielle en l'identité et ça va aller de G croît G, G plus G, on va dire. Dans G. Et en fait, on fait un petit calcul. Je peux écrire 1 plus H X plus petit e de H. Je vais multiplier ça par... ça c'est l'identité. Je multiplie ça par identité plus H prime Y plus petit o de H prime.
Bon, si on veut, on peut prendre h égale h prime. Et en tout cas, ça, ça me donne identité plus hx plus h prime y plus un petit o de h ou h prime. Et donc, bah, finalement, la différentielle, c'est rien que la structure de somme. C'est juste l'addition. Donc, c'est juste un espace vectoriel. Voilà. Et par contre, on va avoir plus de structure si on va un petit peu plus loin et on considère les commutateurs plutôt que la multiplication. Donc maintenant, si par exemple, je décide de fixer on fixe une matrice X et on considère l'application qui va de G dans G, qui a Y, associe X, Y, X moins 1. D'accord ? Ben alors je peux dériver ça par rapport à Y. Et donc ça c'est, je ne sais pas comment appeler, add grand X. Et donc ça va me donner une application. Je vais l'appeler add grand X encore, d add grand X. Ça va me donner une application de mon espace tangent dans lui-même, d'accord, et qui dépend de grand X. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est faire varier à la fois grand X et grand Y. D'accord, donc ça, c'est peut-être plus facile de voir directement ça comme ça. Donc, j'ai une application qui va de G croix G dans G, qui a X, Y, associe ben, X, Y, X moins 1, Y moins 1. Regardons ça. Quand je dérive, donc si je prends maintenant X égale, donc on va appeler ça C, quand je dérive mon commutateur en l'identité, identité, eh ben je vais obtenir, alors identité plus HX, bon, à l'ordre plus O de H, fois identité plus H' Y plus O de H'. L'inverse de ça au premier ordre, c'est l'identité moins HX plus O de H et identité moins H'Y plus O de H'. Et quand je développe tout ça, eh ben, je vais trouver identité plus H. Alors, donc les termes linéaires vont s'en aller. C'est ça qui est important, c'est que j'ai HX plus H'Y moins HX moins H'Y. Et il me reste les termes quadratiques qui vont être H. Bon, j'ai du H carré X2 plus H carré, H' carré Y2 plus H prime XY moins YX. Et j'ai peut-être un signe moins quelque part là. Voilà, plus des termes, bon, H cube on va dire. Voilà, donc si je commence par dériver d'abord par rapport à H et ensuite par rapport à H prime, ben, je vois que j'obtiens ce commutateur XY moins YX. D'accord. Donc, pour le faire proprement, il faut d'abord fixer X ici, on dérive par rapport à Y, et ensuite on fait varier X et on dérive par rapport à X. Et là, on va trouver précisément ce commutateur. Mais bon, c'est peut-être plus simple de le voir directement en termes de développement. Ah oui, 5 minutes. Et donc, on obtient ainsi une application
qui va de l'algèbre de Lie, fois l'algèbre de Lie dans l'algèbre de Lie, qui, x, y, associe x, y moins y, x. Voilà, ça c'est pour un groupe de matrices, je peux l'écrire comme ça. Alors, par exemple, si je prends g égale sln, petit g, c'est le petit sln, donc c'est l'ensemble des matrices M de traces nulles. D'accord, c'est facile de voir que ici, ma condition, c'est que le déterminant est 1. Ça se traduit en la condition que la trace est nulle. Et effectivement, c'est bien stable par ce crochet. Alors que la multiplication, pas du tout. Je prends deux matrices de traces nulles, leur produit n'est pas de traces nulles, mais leur crochet est encore de traces nulles. Et ça, ça traduit exactement le fait que ça va de G croix G dans G. C'est le commutateur. Voilà, pareil pour G égale SON, petit g, ça va être SON, ça va être ensuite les matrices M, telles que M plus transposé de M égale à 0. Cela aussi, c'est invariant par conjugué, par commutateur et pas du tout par produit. Voilà, donc la structure qu'on a sur l'espace tangent, c'est juste le commutateur. OK. Alors maintenant, on peut généraliser ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une algèbre de Lie? C'est un espace vectoriel, sans forcément avoir une référence au groupe. C'est un espace vectoriel. Donc, une algèbre de Lie, c'est un espace vectoriel G muni d'une application de G croix G dans G qu'on note par le crochet. D'accord. Donc pour les algèbres de Lie des groupes de matrices, c'est juste XY fois YX parce que j'ai le droit de faire XY dans l'espace des matrices. Et pour un espace vectoriel G arbitraire, abstrait, pas forcément dans un espace de matrices, je n'ai pas le droit de faire XY, mais par contre, la donnée supplémentaire dans l'algèbre de Lie, c'est que j'ai un crochet XY. Et alors, on lui demande de vérifier certaines propriétés. Bon, la première, c'est que c'est bilinéaire. Bon. Bilinéarité. La deuxième, c'est que c'est antisymétrique. Et la troisième, elle est un peu plus subtile, c'est ce qu'on appelle l'identité de Jacobi. C'est la propriété que x, y, z, c'est égal à x, y, z plus y, x, z. Bon, j'écris ça pour être précis. Mais ça se vérifie très facilement dans tous ces cas-là. Et ça s'interprète comme ça. Le crochet, si je veux faire un crochet sur un crochet, eh ben, je fais d'abord le crochet par x à la première composante du crochet, et ensuite le crochet par x à la deuxième composante du crochet. Donc, c'est une dérivation. OK. Alors juste pour motiver un petit peu cette définition, un exemple d'algèbre de Lie. Qui est bien propre. Et par contre, si on veut définir le groupe associé, il faut quand même réfléchir. Donc un exemple géométrique. Et là, c'est si je prends M, une variété, c'est infini. Et je prends pour G, c'est l'espace vectoriel des champs de vecteurs. C'est infini sur M. Alors cet espace vectoriel-là, les champs de vecteurs, si je multiplie deux champs de vecteurs, ce n'est pas un champ de vecteurs. Par contre, je peux prendre le crochet de deux champs de vecteurs et j'ai un champ de vecteurs. Donc je commence par dériver mon premier champ de vecteurs dans la direction du premier champ de vecteurs, mon deuxième champ de vecteurs dans la direction du premier. Ensuite, je retire
Parce que j'obtiens en dérivant le deuxième dans la direction du premier et j'obtiens un champ de vecteur. Voilà, donc ça c'est une algèbre de Lie. Ok. Alors peut-être juste rapidement, exemple. Juste, je vais terminer là-dessus. J'ai le temps ? Je prends 5 minutes juste pour donner l'exemple du groupe de Heisenberg. Et puis je parlerai des représentations des algèbres de Lie tout à l'heure. Donc un exemple. Alors, Heis 3, c'est l'ensemble des matrices. Quand on était 1, A, le B il est là-haut. B, 1, C, 1, 0, 0, 0. Avec A, B, C des nombres complexes, ce qu'on veut. Son algèbre de Lie. Alors, je peux écrire la multiplication dans ce groupe. Donc, j'écris ça. Un élément, je le note comme A, B, C. D'accord ? Et du coup, la multiplication, c'est tout simplement A plus A prime. Ensuite, C plus C prime. Donc, au niveau des premières et troisièmes coordonnées, c'est juste la somme. Par contre, au niveau de B, c'est B plus B prime plus AC. Voilà. A, j'ai AC prime, merci. Plus AC prime. Et alors maintenant, je me demande quel est son algèbre de Lie. Alors l'espace tangent en l'identité, ben, on voit que c'est encore donné par des triplets ABC. D'accord ? Donc l'espace tangent Heis 3, ben, c'est toujours... Si on veut maintenant, on peut l'écrire ça comme ça. Si on veut, c'est les matrices 0, 0, 0. X, alors, comment je l'ai appelé, E, TT prime, ABC, bon, ben, X, Y, non, X, Y, Z. Et maintenant, si je fais le crochet, donc pour le faire proprement, écrivons A, on l'écrit comme E plus H X, B c'est E plus H prime Y, et C c'est E plus H Z, donc ça va être mon premier élément, X. J'écris pas les termes d'ordre supérieur. Y, ça va être E plus H prime X prime, E plus H prime Y prime, et E plus, enfin, identité, plus H prime Z prime. Si j'écris X, Y, X moins 1, Y moins 1, à l'ordre 1, je vais obtenir 0, H, H prime, et ici, AC prime moins C, A prime C, et 0. Voilà, donc finalement, le crochet de X, Y, Z, c'est des X. X. Donc finalement, le crochet de X, Y, Z et X prime, Y prime, Z prime, eh ben, c'est 0, le déterminant de la sous-matrice x, z prime moins x prime z, 0. Voilà. Bon, alors comme ça, ça paraît un petit peu des grosses formules, mais maintenant, si je prends une base, donc cet élément-là, je l'appelle B1, disons, cet élément-là, je l'appelle B-1, et cet élément-là, je l'appelle C, eh ben, on voit qu'on obtient exactement le crochet, juste terminer avec ça. B1 égale 1, 0, 0. B-1 égale 0, 0, 1. Et puis C égale 0, 1, 0. Bah, alors au signe près, je vais avoir B1,
1, B moins 1 égale à C. Voilà. Donc on a exactement les relations de commutation de tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est l'algèbre de Heisenberg, la plus simple, associée au groupe d'Heisenberg, à trois éléments. Ensuite, ce qu'on fera, et après je terminerai, cet après-midi, on va regarder, ici on n'a que des opérateurs d'annulation et de création avec un seul entier. Donc il nous faut une famille infinie d'opérateurs de création et d'annulation, donc on va devoir considérer une limite de l'algèbre de Lie, on ne va pas s'occuper du groupe, algèbre de Lie quand le 3 tend vers l'infini. Ouais, c'est ça qui va nous importer. Voilà. Merci, désolé d'avoir... Merci beaucoup, Olivier. Des questions sur cet exposé? Oui, c'est plus une remarque qu'une question, mais du coup, ce que je comprends, la correspondance boson-fermion, finalement, elle va juste s'énoncer en termes de représentation d'algèbre de Lie, donc d'algèbre. On partait quand même d'un espace d'état qui est un espace de Hilbert. Est-ce que des techniques d'analyse, le fait qu'il n'y ait que des techniques d'algèbre qui permettent de démontrer ce résultat est un peu surprenant Alors, ici, on va avoir des espaces de Hilbert qui vont être gradués par le niveau d'énergie totale de mon système. Donc, ça va être la somme. Donc, en tout cas, ça sera tel que le vecteur vide sera de niveau 0 et l'opérateur de création B moins I augmentera le niveau d'énergie de I. À ce moment-là, c'est de dimension finie en chaque espace gradué. Donc, si je m'occupe que des états qui sont de dimension graduée I, c'est des espaces de Hilbert de dimension finie. Donc, ce que je veux dire, c'est que mon gros espace de Hilbert, il se décompose en somme directe d'espaces de Hilbert qui sont tous de dimension finie. Et finalement, cet isomorphisme, il préserve le niveau d'énergie. Donc, on remplace la structure analytique par finalement quelque chose de gradué qui est de l'algèbre. Voilà. Ouais. Non, mais pour compléter, ça veut dire que l'espace total n'est pas un espace de Hilbert. Alors, il faudrait le compléter. Voilà, il faudrait le compléter. Justement, on tombe sur les questions d'analyse. C'était une vraie somme directe, je crois que c'était que la base était une base de Hilbert. Ah oui, voilà, il y a cette. Là, on retombe sur les questions d'analyse. Ouais, voilà, bonne question. J'ai une question. À quoi elle correspond, ou à quoi elle sert cette correspondance aux enfants? Bonne question. Je sais qu'il y a des quantités qui sont plus faciles à calculer en termes de modèles bosoniques qu'en termes de modèles fermioniques, mais du point de vue application vraiment physique, je ne saurais pas te dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des interprétations très simples du cas bosonique, soit en termes de processus stochastique, soit en termes aussi en termes de géométrie, puisque c'est comme tu disais, on se ramène à des algèbres de fonctions pour décrire les observables. Et donc, il y a des choses qu'on sait très bien faire dans le cas des bosons. Effectivement, la question que je me pose, c'est est-ce que ces structures permettraient de transférer maintenant ce qu'on sait faire en analyse dans le cas des bosons, qui a été poussé assez loin, dans le cas des fermions, où on a plus des difficultés pour décrire ce qu'est l'espace des phases, puisqu'il est non commutatif. Donc, effectivement, ça, c'est une question qui est intéressante. Voilà, il faut la poser à des physiciens, je pense que c'est mieux. Clairement mieux qu'à moi, en tout cas. Si on l'a posé, et on a pas une réponse très claire. Ah oui, Et y a-t-il d'autres questions? Bon, merci, Olivier.